Je m'excuse, monsieur, dame. Est-ce que vous allez reprendre autre chose? Allez-vous prendre la même chose, là? C'est toute tout la même ça. C'est pas compliqué, je m'excuse, Serge. C'est parce que je pense que t'es rendu dans ma section, Serge. Hey, va donc t'informer. Tu vas avoir des nouvelles, là. Ta section, es-tu bon, lui? Oui, mais c'est parce que c'est ma section, Serge. Là, hey, regarde. Tu viens de revoir une autre fois pour savoir où se caler ta section. C'est parce qu'il est nouveau, excusez-moi. Ben oui, mais écoute, Serge, là. Hey, tu vas achever de me fatiguer avec ta section. Es-tu fatigué? Ben oui, mais écoute, Serge, c'est pas moi qui l'ai décidé. C'est la section qui m'ont dit que j'avais, là. Ah, bon. Ce tableau est dans ta section, toi. Ben, tu vois bien, c'est moi qui les ai servi deux drinks, ils sont sur la table. Puis tu penses que c'est une preuve, ça? Ben, je vois pas de preuve là-dedans, moi. Ben, voyons, c'est simple. C'est moi qui les ai servis tout à l'heure. C'est parce qu'ils étaient dans ma section, tabarnak. Dans ma section, tabarnak, hein, ben. Tu les as servis tout à l'heure, c'est fait que c'est ta section. Eh ben, ouais. C'est drôle, hein? Tu passes les tasses à clé ton jardin, il l'arrose 10 minutes, puis c'est à lui tes cocons. Ben non, mais c'est pas ça que j'ai voulu dire. Non, non, toi, non, non. Toi, là, tu parques ton char en face d'hôtel de ville, là, pis c'est toi qui es le maire. Eh ben non, Serge, là, non, c'est pas ça. Non, ce que je voulais dire, moi, ben là, non, je sais ce que tu veux dire. Toi, là, si tu viens aux toilettes chez nous, là, t'as le droit de partir avec la bolle, là, c'est à toi. Eh ben. Ouais, mais Serge, tabarnane. Non, non, tabarnane-moi pas, c'est ça que tu dis. Prends ton trou, ferme ta face, OK? Qu'est-ce qu'on disait, d'autres? Écoute, là, Serge, là, quand ils nous ont divisé nos sections ce soir, là, ils t'ont donné une petite section à servir dans la salle. C'est ça? OK? Oui. Je te le dis, je calais ta section? Oui, la section. Je te le dis, OK? Elle commence là-bas. Right? C'est ça? OK, les deux femmes sur le même gars, OK? Oui. Non, on s'en vient par ici. Le monsieur, il commence à avoir. Il commence à perdre ses cheveux un petit peu, là. Ouais. La fille qui est peignée comme un lion, là. Ah. OK? On s'en vient par ici. Ouais. OK, puis là, on arrive à la table ici, OK? Oui. Il se trouve à être dans ma section. Ça a pas l'air d'être assez comme preuve. On appelle ça un témoin, ça me dérange pas. Ben, ça me dérange pas, moi non plus. Parfait, on va appeler un témoin qui va te le dire et tu vas fermer ta face, OK? Ouais. Ben, Marie, veux-tu demander toi-même ouais, si c'est moi? Je vais y demander. OK, ça va être moi. Marie! Quoi? La table qui est dans ma section ici. Elle est dans ma section, Marie, hein? Ben oui, elle est pas si fort, les gars. Le monde commence à me demander si vous êtes pas mariés ensemble, vous deux. Qui c'est qui t'a demandé de quoi, toi? Bon, ben, t'as entendu ce que c'est qu'elle a dit, Serge? C'est pas moi qui l'ai dit, je m'excuse, mais c'est ta table-là. Elle est autant des patates que toi, c'est pas une preuve, ça, voyons donc. Ah oui, mais Serge, t'as pas mal. Écoute, là. Elle, non, elle connaît rien, elle. Faut pas que t'en craignes. Elle pense que les Nordiques jouent au hockey, tu veux dire? Bon, mais OK, Colin, si tu veux marcher de même, là. Non, braille pas, prends-la. Non, et dans ta section, prends-la. Non, laisse faire, Serge. Non, prends-la. Prends-la. T'adonne. Un autre tout de pique, qu'un cabaret. Oui, mais Serge, non, mais juste. Non, tu vois, là, juste que tu vois, je te vois pas, prends-la. Ben oui, mais t'as pas besoin d'ouvrir un dépotoir de chic, Calvinus. Anyway, tu peux pas en prendre, c'est une table de têteux. Non, mais c'est vrai. Des têteux. Ça te commande une bière à 8h moins quart, ça va être encore après à tétin 11h30. Prends-la. Ben oui, mais Serge, que c'est qui t'arrive à soir? M'arrive à rien, je te le dis, prends-la. T'as donne. Ben oui, mais écoute. Ça se figure que c'est titre pour attendre que le pape repose. Prends-la. Ben oui, mais Serge, écoute, là. C'est pas juste eux autres, hein. On a une salle de têteux à soir. Non, mais garde le titre. Une bière, une. L'as-tu acheté pour garder monter les ballons, toi? Hey, veux-tu te ramener du sel pour manger avec ta paille, toi? Non, mais c'est. Hey, regarde ça ici, hein? Regarde ça. Ça t'était, ça, tout à l'heure, hein? T'es dans des glaçons, oui, donc. Hein? Non, mais tu sais, quand ça baisse pas de prix, même si tu pointes 105 ans avant de le finir, hein? Sacré. Oh, non, mais il y a un verre qui a baissé un peu ici. Ouais, l'évaporation, je suppose. Sac, veux-tu te ramener des mouchons? Mets ta main dessus en attendant. Non, mais. Non, c'est ça, des têteux, mon petit gars. Hein? Bébé, il a fini pour asseoir, là. Prends ta table, là, OK? Je te donne toutes les miennes à boire ça. C'était écrit en toutes lettres dans mon horoscope un matin. Jupiter est dans Saturne, puis Mars rencontre Vénus. Ils vont juste en tête et une. Reste chez vous, c'est ça qui paye plus. Ça revient à ce que je dis tout le temps. Quand ils sont hot, ils sont hot. Quand ils sont pas hot, what the fuck? It's all yours, my boy. It's all yours. Waiter. Hein? Où est-ce qu'est le service, ça? Waiter. C'est parce que... Et dans ma section, c'est la table-là avec Serge. Enough, t'as pas avec ça, là, sont toutes dans ta section.
Voyons, Serge, y a-tu quelque chose que j'aurais fait de pas correct? Des têteux. Hein? Ben non, sinon, mais tu m'as rien fait, là, un aff, t'as pas avec ça, là, oui, vas-y. Oui, mais Serge, quand même que ça serait des têteux. Voyons, Serge, t'as 10 ans de métier dans le corps, voyons. Ouais, ben à soir, je l'ai ailleurs que dans le corps, c'est correct, là? Hein? Ben oui, mais pourtant, il me semble qu'on écoute, là, je suis fatigué, là, j'ai mal à la tête, j'ai mal au calme. Mon char m'a coûté 122$ ce matin. Ma blonde est partie depuis 2 semaines. Là. J'ai commencé à tocher les cendriers à 5 ans. Moi, là. À soir, je suis malade. OK? Hein? T'es malade? C'est ça, oui. Je suis allergique aux têteux. Voyons, Serge, arrête d'insulter le monde, tabarnak. Ça tête le verre comme une rabbit tête son diesel. Assis-toi, mon dessureau. Tu feras pas une scène, tu sais, à soir. Hein? Hey, astic. Oh, that's my boy, good boy. Tu vois-tu le gros? C'est quoi ton petit nom? Yves. Tu vois-tu mon dessureau? Oui, là, t'es titre juste depuis 2 semaines. Oui. Mais avec le temps, là, tu vas apprendre à reconnaître ça, toi aussi, des salles de têteux. Oui. Certain. Non, mais sans aller à soir. Hein? Sans que ça sent. Sans? Sans aller. Là, faut pas que tu pousses, là, faut que tu tires, là. Tu vois-tu que ça sent? Hein? Ça sent les compressions budgétaires! C'est pour ça qu'ils boivent pas! Ah oui, le gars, il écoute des nouvelles à la TV, puis il se fait dire que le trou est rendu à 35 milliards. Il a pas le choix, il s'assit, puis il compresse. Non, mais le monde se dit, c'est fini la prospérité. Tu sais, les convertibles blancs, là, dedans rouge, comme dans le temps, le gaz à 35 cents, le Kentucky Fried Chicken, toi, dimanche soir. Gilles Girard pis les super classels, tu sais, la belle époque. Là. Fini, ça! C'est pour ça que ça tête! Le monde coupe partout! Hein? À Noël cette année, là, le gars avec la moustache là-bas, là, sa femme, elle lui a donné des bas. Je te le dis, c'est... ben, il a rien dit, il avait acheté une mop. Le gars, il rentre avec sa minoune chez le dealer de char nu, pis il réalise qu'il n'a même pas les moyens d'avoir un char économique. Ça fait qu'il tête. Non, mais. Regarde les vacances que le monde prenne aujourd'hui, hein? Anciennement, t'avais du fun dans tes vacances, tu visitais, t'apprenais de quoi, je sais pas, moi... T'allais à la tête des hommes, tu laissais un 50-75$ dans le piton de la ronde, mettons, t'sais. Aujourd'hui, t'as même plus 30 sous à mettre dans le parcomètre une fois que t'as rempli à ta gosse de ta minoune. Ça fait que ça tête. Non, mais écoute-tu le gros, là? Ben là, c'est en train de préparer un tas dans ta couche, toi, là. Hein? Oui, Serge. T'avais comme un nombril dans le visage. Oui, mais écoutes-tu au moins? Oui, Serge, bon. Mais. Puis là, je t'ai pas parlé des taxes scolaires, la répartition paroissiale, l'impôt au mois d'avril, la journée où le coin est 44. Hein? La journée où le coin est 44? C'est quoi, ça? Tu savais pas ça? Hein? Ils ont toutes les petites habitudes de même qui les font dépenser ailleurs avant d'arriver ici. Hein? Ah, le gars était dentier, là-bas, là. Son compte Charge X, il est arrivé direct dans la vasectomie cette semaine. Oh. Mais regarde l'autre en arrière de lui, là. Ouais. Hein? L'autre en arrière de lui. Je suis là avec les grandes oreilles, là. C'est ça. Mickey Mouse qui s'habille à Warehouse. On est dans... Non, mais on est dans la semaine, il fait pitié, on est dans la semaine qui vient de faire sa grosse épicerie. Hein? T'as une semaine de la petite épicerie, puis t'as la semaine de la grosse épicerie. La petite, la grosse épicerie? Mais j'ai jamais entendu parler de ça, moi. Les Super Fries, les Fruit Loops, les TV Dinner, les Odor Eater, les Shout contre les spots, la coiffe fraîche à toi protection, la petite vache dans le frigidaire, les bois culottes, le pot Nutella à 5$. 4 sacs de plus dans la valise du char. Sa femme arrive folle de même une semaine sur deux. Hein? Mais il regarde, tu sais. Elle est déductible. T'as peut-être des bonnes raisons, Serge, mais me semble que... Tu t'en vas, là. Ben, assis-toi, tu feras pas une scène, tu sais, t'asseoir. Ben oui, mais la soirée est jeune, Serge, là. Ils font juste commencer à têter. La soirée est jeune, tu viens de le dire. Ben oui, mais me semble qu'on pourra peut-être... Combien t'as-tu fait à date? Hein? Combien t'as-tu fait? Ben, je sais pas, moi... Combien? Ben, une dizaine de piastres, peut-être. 10? Ah, tu penses ça, toi? Compte, m'a gagé, t'as pas 9,5 de fait. Check bien, moi, c'est pareil. Hein? Check! Pis? Ouais, à peu près 6, 7. Ben, moi, pareil, 6, 7, très exactement, tu vois? Quoi, c'est pas gros? Mais rassis-toi, c'est le prix des œufs cette semaine! Hey, coudonc, les gars! À si même, le rien faire, qu'est-ce que vous faites? Travaillez-vous pour la voirie? Hey!
Oh, 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 oh! Oh, oh. Bénissez-nous, Seigneur! Qui c'est qui boit ça? Hey, c'est mes bières, ça, Serge. Je viens de les payer au boss boy du bar. Mais là, regarde, tu peux plus servir, il y a des microbes dedans, hein? Viens. Bon, dans ce temps, tu me les dois, OK? T'es framarqué sur mon running bill, là. Ouais. Pis toi, qu'est-ce que t'attends pour travailler dans toi? Hein? Serge, il est après me dire le genre de client que d'un fois. On se développe des varices à servir pour 7 piastres par soir. Ouais. Comment ça pour 7 piastres par soir? Ben, on a compté tous les deux, puis on a un que ça te fait pour le vrai, puis. Ben, c'est le prix des œufs cette semaine. Oh! Fait que là, vous avez décidé d'en pondre? Voyons donc, Yves, tu seras pas bébé plus que ça, si même sur ton steak. Toi, t'es debout, tu t'es canne, t'as la même chose que nous autres de fait. Fais donc comme nous autres. Ah ouais, nain autre, ça. J'en ai en masse de plus que ça de fait, tu sauras. Au moins 20. Hey, wow, wow, Nelly, là, si tu comptes l'argent que t'avais sur toi avant d'arriver ici. Ah, restez dans ma sacoche. C'est vrai, ça, qu'est-ce qu'on fait ici, tabarnan? On s'assied! On s'assied? C'est le même qui a fait plus d'argent? Oui, mais... Les femmes, ils prendront pas leur place sur le marché du travail si le monde jamais osent caler. Oui, mais elle en a plus que nous autres de fait, ça. Ben oui, hein? Compte, si tu me crois pas. Ah non, je te crée. Mais toi, c'est pas pareil. Comment ça, c'est pas pareil? T'as des boules. Merci du compliment. Des sirop, elle crée pas, dis donc, elle a des boules. Ça s'appelle pas des poules. Hey, explique-y donc, c'est pas des piqûres de maringouin, gars-là. Hein? Je vois pas pantoute ce que ça vient faire dans la discussion. Puis tu veux-tu que je te dise, Serge Dupro? Hey, prépare-toi, mon dessus, on va y faire notre standing ovation, mais qu'elle a fini. Le waiter qui fait de l'argent, c'est pas le waiter qui reste assis sur son cul. C'est le waiter qui se le grouille. Tu peux rien répondre à ça, Serge. En raison de tabarnane, il faut se grouiller le cul, là, non? Oui, mais c'est facile à dire pour elle. Alf, il va avec les poids. Tu l'as jamais remarqué? Oui, oui, hein? Je peux pas avoir ça. Oui, mais écoute, ça, je... En 1986, là, ça compte tant que ça. Tu penses le sexe du waiter? En 86. T'en connais-tu bien, toi, qui prennent comme résolution d'arrêter de bander au vaudelant? Non, mais je sais pas, moi, je veux dire, je sais pas, mais il me semble qu'on a autant de chances d'être typé qu'une waitrice, non? D'un club de tapettes, peut-être, mais pas ici. Hey! T'as les clubs de Go-Go Boy aussi, oublie-le pas. Ouais, hein? C'est un autre sort qui nous aide pas, ça. Comment ça? Ben, chose, écoute, la femme qui est allée là la semaine passée, là, t'as figuré-tu qu'elle va bander sur toi parce que t'as des élastiques après tes manches de chemise? Non, mais prends elle, zit, là. Prends elle, zit. Elle, là, elle aime ça, les go-go boys. Elle dit, rien que la peau de la face à lèvres, je la sens trembler déjà. Sa chum qui est ici, t'as oué plus dans les soirées Tupperware depuis ce temps-là. Ah ouais, va lui dire que t'es tout nu en dessous de ton linge. Tu vas voir, ça change bien de quoi. Ben oui, mais regarde, Marie, elle est pas tout nue, elle a bien 24 piastres de fête, c'est sûr. Oui, mais c'est pas la même chose. Comment ça, pas la même chose? Le client femme ne jette pas sur le waiter homme le même regard pareil que le client homme jette sur la waitress femme. Hein? Non. Assieds-toi, moi, t'expliquer. Assieds-toi. Écoute bien. Une femme, là, OK? Une femme, là, quand ça regarde un homme, là, ça fait juste checker si tu ressembles à Julio Iglesias. Tu sais, veux dire? Nous autres, les hommes, on voit la femme d'un regard beaucoup plus honnête et franc. Non, mais c'est vrai! Oh. C'est vrai! Hein, il n'y a rien qui a compris, là-bas, là. Oh, OK, je comprends. Ah, vous n'êtes pas d'accord? Ah, oh, oui. Ah, bon, oui. OK, je comprends, là. Oui, on les voit à poil. Ouais, hein? à poil? Tout nu? Les femmes sont pas capables, mais nous autres, on est capables. Ben voyons, Serge, les voir nus, c'est impossible, voyons donc. Moi-même qui te parle, je le fais 10 fois par jour depuis l'âge de 13 ans. Hein? À travers un comptoir, même, des fois, en bois, en plywood, styrofoam, n'importe quoi. Comment c'est que tu fais ça? T'as rien à faire pour, t'as juste à embrayer l'œil sur le drive 2 de la transmission mentale. Hey, t'es sûr, là? Tu me crées pas? Genre, bien ça, m'attend déshabiller de suite, moi.
La dame en jaune, là. Regarde comment je travaille, OK? OK, monsieur, t'as-tu vu comment, là? Essaye. Hein? Oh, ouais, vas-y, vas-y. Ouais, ouais, vas-y. Ben non, prends pas celle-là, elle est déjà tout nue! Ah. Prends l'autre à côté. Ah. Prends pas le gars avec la barbe, tu vas t'en faire une heure dessus. Ah. Ah ouais, vas-y. Puis? Ah, ben, disons qu'on braille, là. OK, là, lâche la cloche de ton cerveau complètement. Oui. Oups. Ah non, là, tu viens d'étouffer le moteur, là, pas, là. Donne du gaz en même temps, lâche-la tranquillement, mais au complet, OK? Oui. OK, vas-y. Puis? Ben, je pense que ça va être trop long, mais t'en partir une, OK? Embrasse celle-là ici, t'es bien proche, ça va aller vite. Ah ouais, en bas! Puis, il me reste juste la brassière des petites culottes à ôter, là. prends une gorgée de bière. Ça y est? Elle est à poil. C'est bon. Très bon. Tu peux rien faire, on voit tout pareil. Vous jouez à quoi, au juste, là? Elle veut savoir à quoi qu'on joue. Serge, il est après à m'expliquer que nous autres, les hommes, on pouvait plus facilement déshabiller les femmes des yeux, puis... Pas juste nous deux, regarde-lui ici, là. Puis que c'était pour ça que les hommes donnaient plus de type aux waitresses que les femmes en donnent aux waiters, puis... Puis, ça n'a pas d'allure, mais elle est complètement à poil. T'es encore ses boules, du prof? Ah, pas juste ses boules, on se promène. Malgré que j'avoue, oui, les boules. Ah, on va t'inviter chez nous dans le temps des fêtes l'an prochain. Oh. Tu pourras coucher avec l'arbre de Noël? C'est correct, ça? Hey, quand ça grouille, hein? Puis toi, sais-tu de perdre ta job que tu veux, Yves? Oups, ça vient comme de se rhabiller, là, hein? Bien, il a raison d'une manière, Marie. Vous êtes avantagés, vous autres, les filles, tu sais. Ah oui, vous paraissez bien, vous sentez bonne, nous autres. Les morts d'un cercueil aussi paraissent bien, puis ils sentent bon. Puis il n'y a personne qui est type. Je vois pas pantoute le rapport, moi. Bien, n'empêche que c'est vrai. C'est dans le service que ça se passe, c'est tout. Oh. Ben oui, elle est complètement rhabillée, là. Moi, pareil... Oui, Lui, il a le rayon X à off, sa femme est avec. Laisse-les faire. Bon, ben là, Yves de Sureau, tu vas décider si t'as envie de travailler ou ben donc si t'as envie de t'asseoir. Là? Oui. Là, j'ai envie de pisser. Cheers! Cheers! Dis-moi donc, Serge Duprat, ça va pas bien? Comment ça, ça va pas bien? Tu me fais niaiser devant le monde, là, parce que je perds pas connaissance devant tes beaux yeux. Où est-ce que tu prends ça? T'essayes d'avoir ma paire de fesses comme trophée de chasse sur ton mur, puis vu que ça marche pas, t'as décidé de me faire suer. Comment ça, suer? C-H-I-E-R. Suer! Oh, ben, sac, hey! Ah. Moi? Moi intéressé par toi, moi? Oh. Hey! Oui, oui. Je me suis développé ma seule à ramasser les filles qui me tombent d'un bras depuis que je suis au monde. Oh, puis m'apprendre le temps de m'intéresser à toi. Hey, wow, oui, sorry, oui, oui, oui. T'essayes de sortir avec moi, OK? Combien de fois tu m'as invité à sortir rien que la semaine passée? Ouais. Sortir? Sortir où? Tu voulais qu'on lave ton char pour que j'aille te voir jouer au pool. Tu te rappelles pas? OK, chose, mais il n'y a rien là. C'est juste parce que t'es nouvelle dans la place que le comité social fait trop ça avec les nouveaux choses. C'est pas là, Comité social, c'est qui ça? C'est moi.
Ah, tu veux dire que tu t'essayes avec toutes les nouvelles puis que dis que ça marche pas avec moi, tu vas m'écœurer jusqu'à temps que je parte. Ben, débarque de cité grosse, pas allume tes quatre flashers, mon petit gars, parce qu'avec moi, tu viens de staller. OK? Hey! Tu m'aimes pas, toi, hein? Mêle pas le personnel puis le professionnel, c'est rien que ça que je te dis, moi. Hey, qu'est-ce que t'as contre moi, non, toi, là? C'est depuis que t'es arrivé ici que j'ai des gaz d'estomac, moi. J'suis un bon Jack, ça, là, OK? Oui, un incomparable bon Jack, oui. Puis un incomparable de bon waiter aussi, oh, oui, OK? Oui, oui, oui. Hey, j'en ai vu bien des comme toi, hein? Bien correct, bien gentil, bien cool avec le reste du personnel. C'est juste ça s'arrange pour que les autres se fassent renvoyer, par exemple. Comment ça? Quand il y a moins de waiters dans la place, ceux qui restent, ils font plus de pourboire. Qu'est-ce que tu fais, là? Puis toi, qu'est-ce que tu fais avec Yves? Il s'imagine que tu lui tiens la main pour l'aider à marcher, mais il se rend pas compte que c'est Edouard que tu veux l'amener. Hey, tu trouves pas que t'ambitionnes, là? Moi? Qui c'est qui a fait accroire que la barmaid lisait dans les lignes du ventre? Ben quoi? C'est une joke! Ah! Oui! Sauf qu'à lui, tu lui as pas dit que c'était une joke! Je suis! Non, mais mardi, c'est drôle, il arrive à Nicole en riant en bédaine. Nicole, vas-tu vivre longtemps? Je le sais, Yves, tu le trouves niaiseux, mais il l'est pas. Okay? Ben non, je le trouve correct, moi, ici. Ouais, voilà. Ouais. Ben, chose que ça fait, tu penses, je le coach. En tout cas, coach, pas coach, tu feras pas de tort à ce petit gars-là, OK? Si t'as du trouble à faire à quelqu'un, c'est à moi que tu vas en faire, puis on va s'en faire à toi et deux, ça, laisse-moi te le dire. Hey, deux affaires, OK? Deux affaires. Premièrement, j'ai pas de trouble à faire ici à personne, parce que deuxièmement, OK? Puis deuxièmement, là, j'ai au moins 10 ans d'expérience de plus que toi comme waiter, OK? Puis j'ai l'esprit d'équipe des waiters. Puis que quand t'as l'esprit d'équipe, puis de gang, puis de fraternité, puis de don de moi qu'on a, nous autres, les vrais waiters, tu te fais pas des crosses entre toi-même et ta gang comme toi que t'apprends à me faire, là. OK? Là, t'as-tu vu comment qu'on fait, là, gars? Jacques Villeneuve, pain mûr. Paf! Pareil, man. J'ai peut-être pas tes 10 ans d'expérience de plus que moi. Mais ça me prend pas 10 ans puis deux miroirs de m'apercevoir que quelqu'un me joue dans le dos, par exemple. Pardon? S'il te manque des types à soir, c'est pas dans mes poches qui sont du gros, ils sont encore dans les poches des clients. Va donc les chercher. Hé, hey, où c'est que t'as toutes les ça, toi, là? Dans la Bible? Lève-toi et marche! Hé! Hey, on a une Jésus avec nous autres! Dupras! Dupras, tu t'es jamais rendu compte que les soirs que t'as le goût de travailler, c'est là que tu fais de l'argent? Ils peuvent quand même pas typer un gars qui est pas là pis qui veut rien savoir. À part de ça, comment est-ce que tu veux que j'aille le goût de travailler quand c'est prouvé qu'une waitrice qui fait rien fait plus d'argent qu'un waiter qui se fait le cul? Oh! Surtout les seuls qui se mettent tout nus. Tout nu, c'est sûr que moi-même, je ferais une fortune. Oh, ça... Tout nu ou rhabillé, chose. Ton client va s'intéresser à toi si toi, tu commences par t'intéresser à lui. Hey, minute, là, ça fait des années que je m'intéresse à lui, OK? Que je fais le garagiste, le psychiatre, le conseiller matrimonial et financier, moi, ici. Regarde le monsieur, ici, là. Regarde le monsieur, ici! J'avais dit de lâcher sa maîtresse! Qu'elle coûtait trop cher! Regarde s'il est heureux avec sa femme, ce gars-là, à ce temps. Non, mais c'est pas ça, un bon conseiller matrimonial! Mais attends, mais regarde ce que j'ai réussi comme expert financier. Regarde la madame qui est ici, à Kodak, là. Hein? C'est moi qui ai fait acheter son premier vibrateur. Là, je te suis pas. Vibrateur, expert financier, non, je vois pas le certain, rapport. Certain, le monsieur qui est ici avec le côte en cuir, là, il est riche depuis que la madame a son vibrateur. C'est lui qui a le dépanneur parce qu'elle achète ses batteries trois fois par semaine. Là, hey! Ah, mais il m'a dit que ça a l'air qu'elle est rendue à 4 fois par semaine. Énergise-moi! Non, mais sérieux! Sérieux, veux-tu avoir un témoignage de mes capacités de psychiatre? Hein? Non, non, mais Didi, mademoiselle, Didi. Non, 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 venez, non, non. Ici, là. Gênez-vous pas. Non, non. Didi, là, puis dites-le à tout le monde que c'est depuis que vous pensez à moi quand vous couchez le soir que vous êtes heureux. Hey! Ce femme-là, là, avait jamais joui avant, j'y parle! Non, mais t'as-tu vu? Non, t'as-tu vu comment qu'il travaille, le gars? T'as-tu vu comment qu'il travaille, le gars? Ah, oh, toi, c'est facile, disons. Ah, oh, facile, les waitresses, c'est juste à vous laisser cruiser. Ouais, oh. Le gars qui nous cruise, il se demande peut-être s'il pogne encore. Chose. Nous autres, les femmes, on n'est peut-être pas son psychiatre, mais on est peut-être le remède pour son ego insécure, par exemple. Hein? Son wego?
C'est-tu ça le modèle qui a crashé, là, ça, cette année? Oui, go! De toute façon, Dupro, de toute façon, toi, tu t'écoutes, toi, tandis que nous autres, les femmes, on les écoute, eux autres. Toi, là, t'écoutes rien. Tu parades, s'il vous plaît, quand même. Ah, OK, 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 OK. Tu veux-tu, moi, te le dire, moi? Qui c'est qui est mal marié? Puis qui c'est qui est divorcé dans la salle ici, cet soir? Ben, mais toi, tout nu, on va le voir tout de suite, ils vont se pointer. Je te parle de l'avantage moral qu'a la femme, Serge. Ah, oh, Anna? Oui, de l'image maternelle que toute femme projette dans le subconscient de l'homme. La mère protectrice, consolatrice, la simple capacité d'écouter et pas. Ah, les gars, il y a une maudite gang de waitress qui trouve que ça écoute mieux qu'une paire de fesses qu'une paire d'oreilles. Oh. Je te parle d'ici, Serge. Tiens, oh, tiens, excuse, tiens, tiens, tiens. Qu'est-ce qui est venu faire ce monsieur-là ici t'asseoir? Ben, il est venu têter, mais t'étais pas là quand je l'ai dit. Non, 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 non. Il est venu se détendre. Ah bon? Oui, il est venu relaxer, oublier sa job, se faire gâter, recevoir un service personnalisé. Coudonc, c'est un salon de massage, tu vas ouvrir ici. Commence donc par être aimable avec ton client au lieu de le traiter de têteux, puis le client va être aimable avec toi, puis il va te tuer. Quand ben même, t'auras juste les boules à Boy George! Hein? Il est bien certain qu'un client n'aura pas une table qui a l'air d'une soie cochon avec des cendriers pleins puis des verres qui traînent. C'est pas vrai, ça, monsieur? Admettons. Bon, bon, bon. Ben, quand t'as commencé par faire ça, là, le client, il a le goût de recommander d'autres choses. Prendriez-vous quelque chose, monsieur? Bon, OK, ça marche pas tout le temps! Ah! Ça marche pas tout le temps! Et... Ça marche pas tout le temps! Eh ben! Non, mais... T'en as-tu bien d'autres, des petits sermons encourageants de même, là? Je suis prêt à me convertir, moi, là. Quand même, Serge, c'est un peu vrai ce que c'est qu'elle dit à pas tort entièrement, là. Oui, là, bois ta bière et femme ta fly, OK? Pis toi, là, dis-moi si t'es pas fait dire par ton client qu'il manquait de change pour te donner du type à table 15 tout à l'heure. Oh, j'en ai fait de change. Ouais? Pis le gars là, qui te dit, là, là, je te donne pas de type tout de suite, là. Mais moi, t'as le donné en double, mais que tu reviennes tout à l'heure. Hein? Ben oui, je m'en souviens, il me l'a donné à commande d'après. Quand ça, à commande d'après? Ce verre-là, il est tout de suite depuis assez longtemps, il est avec du fait signer un verre. C'est vrai, Marie, je me suis fait faire la même passe tout à l'heure, moi aussi. Toi aussi? Oh, oui, hein? La gang, là. L'autre sorte un peu plus crasse, là, qui t'astine sur ta commande. Quoi qui t'ostine sa commande? Ben oui, tu apportes deux Carlsberg, une vodka jus d'orange puis un gin chaser. Puis t'ostine qui voulait une black, trois cognacs puis un armagnac. Tu fais quoi, barnac? Tu y ramènes ce qu'il veut. Le client a toujours raison. Ah, oh, mais là, tu peux pas y ramener ce qu'il veut, là, parce que là, il joue l'enfant martyr. Là. C'est pas ça pantoute que j'avais commandé. Mais moi, le prendre pareil. Ça mérite pas un type, par exemple. Bon, OK, OK, ça arrive une fois par six mois. Écoute, faut pas charrier, hey, là. Ça m'est arrivé à soir, chose. Puis si tu me connais pas, là, va checker le site au milieu de ma section, là. Mais au penché, habillé drap, qui fait lever le cœur avec son aquavelva, il me l'a fait. Mais j'en ai un qui s'est enlevé que je vais pas robe à plein nez, moi, là-bas. Je sais pas comment qu'elle fait pour sortir avec. Ça. Va te le dire, moi, il a sent le noxéma encore plus fort que lui. Bon, ben, moi, là, non, 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 l'autre sorte, là, qui t'astine sur le montant. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas un coupon de caisse à y montrer? Une calculatrice puis l'adresse d'un bon comptable avec parti. En tout cas, c'est drôle, hein? Moi, j'ai pas ces problèmes-là. Hein? Non, toi, on le sait. T'as des... Non, mais... Donc, t'es-tu venu à bout de l'arbre déshabillé et pas été capable? Bon, le temps vous gueuliez, j'avais un peu de super time. C'est bien... C'est ça que je faisais. Pratiquer, c'est bien, ça. Je l'ai dit pendant des années à Gaétan Boucher, moi. Moi, là, quand elle a son petit front de bude, même, j'ai de la misère. Ouais. Ah oui, tu vas remarquer ça, t'en as, c'est plus dur à passer au rayon X. Ouais. Mais je comprends pas ça, pourtant, quand ta blonde t'a dompé comme moi, ça devrait être plus facile de les déshabiller, tu sais. Le manque, tu sais bien. Ouais. Mais avec les filles comme elle, là, féministes, tu sais bien, là, c'est plus dur, ça. Ouais, d'une manière, elle est pas mal féministe, c'est vrai. T'as raison, c'est vrai. Pas juste féministe, man. C'est une lesbienne. Hein? Marie, lesbienne? Hein? Quoi? Hey, là, tu commences à y aller un petit peu fort, hein, Dupro? T'aimerais-tu ça sortir avec moi, Marie? Hein? Oh! Avec toi?
Étouffe-toi donc, toi. Oh. De ta preuve, lesbienne. Tabarnane, Serge, come on! Ah! Et aux femmes! Puis après! Moi aussi. Ah oui, mais moi, je suis lesbien. Ah oui, mais Serge, tabarnane, voyons donc! Non, je comprends. Je sais ce que tu veux dire. Mais c'est pas demain matin que je demande de sortir avec, elle a jamais voulu. Ben oui, mais Serge, tabarnane, hey, ça fait combien de temps que vous travaillez ici, depuis toi? T'es arrivé depuis à peu près quoi, 2 semaines? Ouais, à peu près. On a commencé le même soir. J'ai tout fait, cette petite fille-là, moi. Tout! J'ai montré où est-ce qu'on accroche nos côtes, OK? Puis où est-ce qu'on sert les cabarets. J'ai payé 2 steaks l'autre soir, à rien. Ben oui, mais t'as des filles que ça lui prend plus que ça pour sortir avec un gars. Hey, j'ai même sorti la phrase classique de tous les grands séducteurs. Salut, bébé. Qu'est-ce qu'une fille comme toi fait d'une belle place comme ça? Même elle, elle vient d'accrocher, dis donc, qu'elle décroche. Ben oui, mais Serge Tabarnane, c'est... Hey, minute. Je vais dire une affaire, j'ai même dit que ma blonde m'avait dompé. Puis j'ai offert à elle la première, la chance de la remplacer. Puis pas juste sa job, tu sais, vas-y. Hein? Me déshabiller le cœur même devant elle. Puis tu es assez cave. Non, mais c'est dur à avouer. Mais des fois, tu te demandes si tu mérites. Frette! Non, mais elle frette, man, frette. Elle frette comme un boc dans les frigidaires. Voyons, elle est pas lesbienne, mais pas frette. Moi, je la connais, ça fait au moins 6 mois. Ah, t'en connaissais avant, ouais? Ah, ben, ah, certain. Même que, tu sais, on travaillait à la même place. Elle est au table, puis moi, je servais waitress. Ouais, t'étais boss boy, toi, c'est vrai. Oui, c'est là que je l'ai connue. Ça fait une couple de fois aussi, je m'aperçois, vous avez l'air à vous connaître pas mal, tous les deux. Oh, bon, on se connaît. Bon, hey, on se connaît de demain, puis c'est bien, voyons. T'as-tu déjà sorti avec? Moi? Non. Ouais, c'est vrai qu'à beau être frette, elle est quand même pas aveugle. Tabarnane, chose, il y en a des bien plus lettres que moi sur la terre. Ouais, t'as raison. Puis, pas juste ça, là. Pas juste ça, Serge. Là. Sortir. Tu sais, sortir avec quelqu'un avec qui tu travailles, là. Tu sais comment est-ce que c'est, hein? Ouais, c'est un paquet de troupes. Puis quand tu commences à t'admirer, tes autos d'un round. Ouais, puis. Pas rien que ça. Pas rien que ça. Le boss là-bas, là, il aime pas bien ça, tu sais, que le staff sorte ensemble, tu sais. Au cas d'un fois, là, tu sais. Ben, remarque une affaire, je suis en faveur avec ça, moi. Empêcher le staff de sortir entre eux autres? Sacrifice! C'est mon slogan à moi, ça! Never fuck around the payroll! Ouais? Ouais? Ouais, mais. Ouais? Ouais, c'est écœurant un peu d'une manière. Me semble que si t'as le goût de sortir avec une fille, là, un boss a pas d'affaire à venir juste si tu peux ou si tu peux pas. Si tu travailles, toi et la fille pour le même boss d'après moi, il a le droit. Hey, puis tu sais qu'il y a bien des shops qui marchent de même, c'est pas pour rien, chose. Tu fais hein? Oui. C'est quoi l'histoire, là? Non, assis-toi, il m'a t'expliqué. Assis-toi. Figure là que c'est toi qui es le boss. Ouais. Je sais que c'est bien dur pour toi, mais force-toi un peu. Là. Figure, c'est toi qui es le boss. Puis t'as du trouble, mettons, avec une de tes filles sur le plancher. OK? Puis là, tu lui dis, chérie, la porte est à moi, là, mais prends-la donc. OK? Bon. Puis le chum de la fille, là, ça se trouve être ton meilleur waiter. Mais il t'a travaillé dans le puzzle depuis ce temps-là. Ouais. Hey, oui. C'est comme si tu te lavais les pieds sans changer de bas. Moi, je dis, c'est simple. La manière, c'est que tu sors avec la fille, puis tu le fais pas voir à personne. Hey, t'as figuré-tu que ça sait pas, toi, quand un gars sort avec une fille, voyons. Ah, mais si les deux n'en parlent pas, il y a pas de danger, voyons. Ouais, voyons. Mais ils ont beau se fermer à face, tous les deux. Il y a bien les indices que le boss watch, puis qu'il trompe pas, voyons. Comme quoi? Ben, le gars qui avait l'air cochon avant, là, puis qui a l'air propre à cette heure. T'as des gars qui avaient l'air propre avant. Hein? Pis... Ah, le gars qui paye jamais la traite à ses chums, là, parce qu'il ramasse de l'argent pour lui et sa blonde. Ça, t'as remarqué. C'est fait là. Hey, l'argent qu'il ramasse, là, c'est peut-être mettre un char. OK, d'abord. OK. Juste dans la psychiatrie du caractère, OK? La fille, elle rentre aux oiseaux, puis le gars, il rentre les jambes molles. Qu'est-ce que tu penses qu'ils ont fait, toi, le soir d'avant? Écouter les grands succès de Jérôme Lemay? Ouais, tu dis ça, là, mais hey, t'es prête à sortir avec Marie depuis 87, hein? Ouais, pis? Pis? Ben, never fuck, je rentre de payroll. Ben oui, mais c'est pas la même chose. Comment ça, pas la même chose? Marie, là, elle est juste engagée comme spell, ça.
Elle a été engagée pour les réceptions l'autre bord, OK? Ah. Elle est ici au bar depuis qu'elle est rentrée, mais ça... ça, là, c'est juste parce qu'elle remplace José. José? Ouais. José. José. C'est elle qui m'a abandonné, man. Je suis comme un Kleenex sur le bord d'une autoroute, moi, là. Hey, tu l'aimais-tu, José? Bon, disons qu'elle m'adorait. Ah. Puis, t'as travaillé avec dans le temps, ou t'as sorti avec dans le temps où travaillait ensemble, c'est ça que je veux dire, là? Never fuck around the payroll, là, OK? Never. Non, mais anyway, c'est bien mieux de même. C'est vrai. Si jamais, quand t'as cette occasion, on peut se présenter, maintenant, rien de toi, là, tu sais, une grande blonde, là, tu sais, arsou dans ta section. Tu sais, suédois et genre, là. Ouais. T'es obligé de parler avec tes doigts pour communiquer, là. Non, mais hey, faut que tu sois libre, man! Voyons, non, tout le monde sait ça, un waiter, écoute. Ah. Ouais. José. Et t'as comment? José. Il l'a pas connu, toi? Hein? Un gars, t'as bien mis de pogner ça que de pogner un ticket, man. Oh. Et t'as facile à déshabiller les yeux, elle? Elle prenait pas de chance, elle s'habillait comme si elle avait pas été habillée. Ah. Hey, comment ça se fait qu'elle travaille plus ici? Les gars, t'as rendu un peu trop aveugle à mon goût. J'ai dû te pogner un rhume. Ah! À rester une semaine encore avec moi après ça. Ouais, le temps de faire toutes ses valises. Ben non, le temps de se détacher de moi. Ah. Hey, j'espère que Marie attrapera pas le rhume elle non plus. Elle est habillée pour ça, je trouve, hein? Elle mange de même, elle n'a pas une piste de type qu'elle pogne de rhume. Inquiète-toi pas pour elle. Hey, il y a une réception à soir, les gars, puis votre nom est salisse avec le mien pour servir, hein? Laissez-moi pas tout seul, les gars! On y va, t'as l'heure, on y va, là, femme dans ta face. Hey, hey, c'est un party de 25e anniversaire. Ah ouais, Yves, gros, ça va être payant. Oui, oui, on t'a rejoint, là. Femme dans ta... ton visage. Bien, je te le donne. Hein? Ah, merci, ça. De rien, de rien. Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Fais comme chez vous. Moi, là, je suis sûr qu'elle n'a pas été waitress tant que ça avant, elle. Ah, oui, man! Hey! Une tabarnaine de bonne n'a pas ça. Ouais? Facile à savoir combien qu'elle faisait par semaine. Sac! 1 200? Combien? Le boss te l'a pas dit? Pas dit quoi? Elle était danseuse nue avant. Pas sérieux, tu savais pas? Ben, j'y danse. Sans votre, oui. Ben oui, elle se paye en tabarnak, man. Elle l'a dit au boss, puis. Et t'elle l'a pas dit. Eh ben. Ah ben, il a dû vouloir me le dire, puis j'ai répondu que j'avais pas le temps. Voyons donc. Marie danseuse nue. Pour moi, elle danse encore pour nous envoyer sa jumelle qui était chez Béreblanc. Oui, ben oui. Non! Hey, elle dansait tout nu avant. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai pas... Qu'est-ce que tout à l'heure, j'ai pas chupé quoi, là? Qu'est-ce que tout à l'heure? Ben, tu sais, quand tu disais qu'elle était frette... Ouais? Je t'ai pas trop d'accord. Hey, tu l'as jamais vu danser, toi? Ici! Hey, hey! Cochonne, toi! Écœurant, man! Écœurant! Les gars, là, venaient avec des cernes de transpiration autour des yeux, man! Oh, wow! Oh, yeah! Oh, ben! Oh, ben, mon gros verre, toi! Hein? Pis c'est... Pis c'est là que t'étais boss boy! Ben oui! Mais t'es-tu fou, toi? Hein? Mais pourquoi c'est fait? T'es parti de là! Comprends-tu ça, toi? Hey, moi, s'il y avait des danseuses tout nues qui viendraient me demander des biens pour les clients, passerais ma vie à lui toser les boules du cabaret pour lui en donner. Toi, pareil, non? Hein? Oh, 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 les filles sont pas tout nues quand tu sers aux tables, ça. Hey! C'est juste quand ils dansent, ça. Ben oui, mais Christ! Ils ont beau se mettre des petites blouses et te servir aux tables, tu viens d'avoir à poil sur le stage, t'as de la mémoire, sacrament!
Non, non, mais tu... Hey! Hey! Oh, hey, hey, hey! Tu t'habitues! Jamais! Jamais! M'a te mettre 1000$, je m'habituerai jamais! Jamais! Hey, coudon! Je te le dis! Ben, ouais, coudon, moi, ça me fait rien, mais ça te sépare ces apéritifs, ce gang-là, hein? Vous allez manquer ça, puis après ça, vous allez chialer! Asti! 2000$! Ben, je te le dis! C'est le bureau, c'est le bureau. Assieds-toi, assieds-toi. Non, assieds-toi, pose-toi. Quand prends chaise, prends chaise. Fais comme chez vous, fais comme chez vous. Merci, cher. Si tu avales ton cure-dent, là, je te donne pas respiration. Mathieu? Non, mais. Coudon, toi, Oui. T'es sûr que t'as jamais sorti avec? Hein? Moi? Ouais, toi. Moi? Puis je remarque qu'elle te protège pas mal à part là. Tu es même venu me le dire le temps que tu pissais tout à l'heure. Oh, bon, c'est peut-être parce que. C'est peut-être parce que. Je sais tu moi, c'est. Ben, elle sait que je commence comme winter, puis vu qu'elle me connaît, elle m'aide, tu sais bien, voyons. Ouais? Es-tu sûr? Mais quoi? T'as regardé à déshabiller des yeux tout à l'heure, tu sais, tout à l'heure. Ouais, pis? T'as déshabillé pas mal plus vite que moi, je trouve, hein? Tu sais qu'un gars qui connaît bien le chemin veut rentrer chez eux, là. Oh, bof, c'est parce que je savais que ce que c'est que j'étais pour trouver. Hein? Ah, oui. 6 mois de temps après, devant moi, là, il fait le focus tout seul, après. Ouais, ouais, ouais. Vous auriez pas été sacré dehors de là, tous les deux, parce que tu sortais avec, hein? Exactement, oui. Ah ah! Les connais, les grimaces, le vieux singe, hein? L'avait vu, ça, hein? L'avait dit, ça, tout à l'heure, hein? Ouais, d'ailleurs, c'est à cause de moi qu'elle travaille plus là. Quelle gaffe t'as été faire là, toi? J'ai pas fait de gaffe. C'est juste quand elle me l'a demandé, moi, j'ai répondu que j'aimais pas bien ça, tu sais, les gars qui la regardaient danser, tu sais. C'est ça. Puis elle est allée domper 1200 par semaine pour toi? Mais pas 1200. Ici, t'as fait quasiment 200 brutes. Moi, la différence, ça fait pas 1200. Ben, grouille pas, moi, de sortir exactement comment ça fait. Hey, folle! Hein? Hein? Ben, voyons, tu vaux jamais 1000$ par semaine, toi! Ben, oui, mais. Non, non. Écoute, Yves. Non, excuse-moi, de Suro, excuse-moi. Je voulais pas dire ça de même, mais me semble, t'aurais dû comprendre pis accepter qu'elle se fasse yeuter un peu. Si c'est sa vocation spirituelle à elle, t'avais pas le droit, man, voyons. Ben là, toi, t'as bien dit à Rosé qu'elle avait le rhume pour qu'elle ose de travailler, hein? Ben oui, mais moi, c'était par simple jalousie humaine, voyons. Ah, oh. Pas moi. Ben non. Ah. Oh. Rosé, là, elle a lâché parce que j'étais fatigué. Toi, Marie, c'est parce que tu devais être fatiguant. Ah, de toute façon, c'est toutes des pareilles. Elle va te le remettre sur le nez. Toi, ouais. Comme ça, tu fuck around the payroll. Hein? Moi? Ben, tu viens de le dire, tu sors avec. Moi? Il est après me dire qu'il entend des visions, lui, là. Moi? Tu sors avec! Oui, puis à cette heure. Avant, oui, mais hey! Tu l'as! Ah, tu l'as décrit dans le front, voyons donc. Moi, sortir avec elle? Ouais. T'es fou, toi? Hey! Ouais? Hey, ça se peut-tu penser qu'à moi, je sors avec elle? Oh, ben, tabarnane! Hein? Oh, ben, caline! Hey, de Moses! De viande! De viande? De crème puff!
Puis, Puis, Ben, comment est-ce que tu veux que je sorte avec à part ça, voyons? Ben, voyons! Tu sais pas? Ah, je sais pas. Ah, tu sais pas? Je le sais pas. Eh ben, il sait pas. Pense pas, c'est pas triste, hein? Oui, mais pourtant. Pourtant que. Tu devrais le savoir. Ben, toi ici, ça m'a l'air, ça se peut-tu? Ben, voyons, hey, je le sais, pourquoi faire, je peux pas sortir avec. Ouais, voyons, ben, ouais. Voyons. Voyons, c'est parce que. C'est parce que. Ben, je suis aux hommes, à cette heure. T'étais aux hommes, toi? Ça fait longtemps. Oh, oui. Ça fait longtemps. Longtemps comment? Oh, ça doit bien faire au moins 2 semaines. Au moins? 2 semaines? Oh, oui, au moins. Oh, oui, oh, oui, au moins. Oui, sans parler de tout le temps que j'osais pas m'avouer mes tendances profondes à moi-même. Hein. Tu sais que le programme de Jeannette Bertrand m'a bien aidé. Hein. Oh, oui. Sacrifice. Mais il t'a pas à t'en faire, hein? Never thought je rentre de payroll, moi non plus. T'es un nouveau sexuel. Ah, aux hommes, c'est assez. Sida? Ah, ouais. On va y par là. C'est bon. Deux hommes. Ouais. Hey, t'es encore plus raccoon qu'un raccoon, toi? Ah, moi, raccoon? Ouais. Deux hommes. Ouais. Va donc chier. Je te le dis. T'étais aux hommes comme moi, j'étais au poignet de porte. Qu'est-ce que tu fais là, là? Écoute, Serge. Écoute, Serge. Niaise pas avec ça. J'étais aux hommes. Quoi? T'es un fifi? Ouais, dans ce genre-là. Mais t'as pas peur de ça, toi, Sida? T'as-tu un partner steady, quoi? On n'entrera pas dans un sujet profond, hein, Serge. Ça, toi, là, tu parles pas de sport, rien, toi, là. Là. Pas de hockey, pas de baseball, rien, toi, là. Ah, ben, au baseball, je sais pas, j'ai une bonne moyenne au bâton. Comment est-ce que tu me trouves? Pas pire. Pas plus que ça? Ben oui. Non, mais regarde-moi comme fou, là. T'es. T'es très bien. Merci. Bienvenue. Ça fait-tu longtemps que tu m'as remarqué? 2 semaines. Suite en arrivant? C'est ça, suite en arrivant. Puis tu m'avais rien dit? Grosse crasse! It's now or never, mon trésor! Hey, wow, là, ça! Want some more? Quoi, ici, chose, t'es-tu fou, non, toi? Non, mais, aïe, aïe. Love of my life. Non, mais, écoute, Serge, t'es un très beau garçon, là. C'est pas ça le problème, pas, là. Mais laisse parler ton cœur. You sweet crap. Ah, ouais, mais comprends-moi un peu, là, Serge, là. Ben, qu'est-ce qu'il y a? Si tu peux pas le dire, là, crache-le sur le plancher, je vais le lire. Non, non, mais. C'est parce que moi, je suis tellement mal faite, là, tu sais. Oui. Oh, je dirais pas ça, moi. Je veux dire moralement. Ah, oh, en haut! Oui, non! Qu'est-ce qu'il y a, hein? Ah, c'est parce que
Je t'étourdis un peu, là. Bon. Ben, prends une grande respiration. Oui, mais écoute, Serge, là, c'est parce que... Qu'est-ce qu'il y a? Moi, c'est parce que je suis tellement mal faite, là, que je t'attirais un peu, puis bang, le coup de foudre. Fait que tu comprends, faut que je me contienne, hein? Oh, zut! Il me repousse! Moi qui avais pensé avoir trouvé l'âme frère! Voyons, Serge, on a toute la vie! Ah, promets-moi que tu vas me faire un signe. Afin de m'éviter un cruel destin. Toi, despote. Oui, mais écoute ça, à part ça, toi, là, t'es pas femme, toi. Bon, hein? Les femmes, c'est tellement décevant. Hé, hey, qu'est-ce que vous faites, les gars? Les femmes, ça crie toujours après toi, tu vois? Oui, mais c'est pas juste décevant. Hey, rappelle-toi tout à l'heure quand on avait nos yeux rayons X, hein? Hé, hey, coudonc, les gars, vous en venez-vous? Ouais, c'est vrai qu'il y a des compensations, par exemple. Hey, t'aurais dû voir se promener les compensations parce que j'étais un boss boy, toi. Ouais, Marie était danseuse nue, que tu me disais, hein? Ouais, oui, mais hein, elle l'est plus à cette heure-là. Elle l'est plus, là. Ben voyons donc, oui, ouais. Elle l'est plus. Quand ils ont ça dans le corps, c'est comme moi me faire aimer, ça se perd pas, hein? Coudonc, tu niaiseras pas, là, Serge. Ben non, ben non. Ah, bon, Mais, à titre de comité social, faut que je fasse de quoi pour cette petite fille-là, moi? Quoi, ça? Ben, elle est sûre qu'elle pogne plus, elle-là, là, tu sais. Son petit cœur, il sait plus donner le beat à son petit corps. Faut que je m'occupe de ça, voyons. Hey, tu toucheras pas à son petit corps, hein? Ben non, juste à son petit cœur. Ah, bon, si c'est juste à son petit cœur. Ben, pour me rendre au petit cœur, il va falloir que je passe par le petit corps. On s'en vient, Marie, là, on s'en vient! Take it off! Take it off, Marie! Hey, sir! Non, non, hey, ce que je voulais dire, là, sir! Non, non, viens ici, sir! Ouais, t'as dit, Marie, hey, je suis content, Moses! Hey, t'avais pas mal raison, Marie! Hey, je me suis fait 38 piastres, Marie. 38 piastres! Moi, tant mieux pour toi. Je travaille. Puis. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Marie? T'as pas fait d'argent? Ah oui, 51 piastres. Les boules, man, j'ai rien inventé tout à l'heure. Toi, parle. Je travaille plus. Hey, oui, mais qu'est-ce que t'as, Marie? Hey, force-toi pas pour faire l'innocent. Tu l'es déjà bien assez de même. Ah, oui, mais coudonc, de quoi est-ce qu'on m'accuse, Noël? Probablement de rien, les féministes, tu sais. Ah, ben oui, les féministes, ben oui, c'est sûr. Hein? Je t'en maudis parce que je suis féministe, hein? Rien que pour ça, hein, Dupra? Uh-huh. Grouille-toi, petit gars, parce que là, la féministe, elle travaille plus. Simonade, Marie, si t'as de quoi dire, dis-le. Y est-il arrivé quelque chose, ça? Ah, je peux pas voir, là. Ben oui, mais torpinoune, Marie, si t'es arrivé quelque chose, raconte-le. On est ici pour t'aider. Pour m'aider? Pour m'aider, toi. Ah oui, ah oui, ah oui. T'es bon pour ça, toi, m'aider, hein? Je ne sais pas ce que je ferais si je t'avais pas. M'aider. Ah oui, mais t'as de quoi est-ce qu'elle parle, donc, elle, là? Hein? Elle va te le dire de quoi c'est qu'elle parle, elle. Qui c'est le smart qui a été dire qu'elle avait déjà été danseuse nue? Elle. Ah, ben, ben. Ben quoi? Ben quoi? Ben, voyons, Marie, c'est vrai, tu... C'est vrai, Marie, t'as déjà été danseuse nue. Tu l'as dit au boss quand t'as piqué les sites. Moi, j'ai le droit de le dire à Serge. C'est le comité social. Ben, voyons donc, Marie. Va pas dire que c'est pas vrai quand c'est vrai. C'est pas la question. Ben, t'as déjà été danseuse nue, puis tu te feras pas garrocher des roches dans tes vitres de char pour ça. Ben oui, mais pourquoi c'est fait que t'aies été dire ça à lui, hein? Pourquoi? Ben, il voulait savoir si je te connaissais avant de travailler ici, puis... avant de travailler ici, si je te connaissais, hein? Puis j'ai dit que je te connaissais avant de travailler ici, puis... Puis quand t'étais boss boy. Oui. Puis j'étais danseuse. Puis quand t'étais tout nu. Tu vois, là? Oui, mais ben quoi, Marie? Hé, y en a que ça le fait pas, tu sauras. Fait qu'avec ce monde-là, on se la farde. Ben oui, mais Marie, écoute, là... Hé, y a pas arrêté de me pogner les fesses pendant tout le temps que je travaillais à la réception, puis tu me demandes ben quoi? Hein? T'as pogné le derrière? Oh! Pogner le derrière, c'est un gros mot, un bien gros mot. Ah, oh, ben voyons, Marie,
Voyons, en passant, des fois, de même, là, ça arrive, oups, mais... Tiens, hey, même moi, tout à l'heure, avec Yves, juste avant qu'on descende, tu sais... Ouais, Non, mais il y a quand même une différence entre un poignement et un froissement, Marie, voyons! Tu sais que tu penses qu'il a expliqué à Turner? Écoute, le Serge, là, tu as-tu pogné le siège, oui ou non? Pogné, hey, à deux mains, chose. À deux mains? Tu vois bien qu'elle ambitionne. Oh, hey. Sac! Oh, ben là, si t'ambitionnes. J'ambitionne, moi. Oh, ben, Du pro, hein? Si. Mon Dieu, j'ambitionne pas quand je dis que tu vas poigner les fesses à deux mains plein pendant que je partais du petit bar avec le cabaret plein, hein? Mon Dieu, j'ambitionne pas, du pro. Comment je te pourrais t'expliquer ça, donc? Du pro. Tabarnan, tu veux-tu qu'il te la repogne ici? Serge, du pro. Hein, à cette heure, mon Dieu, que j'ambitionne? Hey, tabarnan, Serge, est toujours bien pas pour finir la veillée les fesses nu-tête. Ben non, niaiseux! Ben oui, mais coudonc, ces culottes-là, c'était qui, là? Ah, inquiète-toi pas, c'est pas Étienne, mon chou. Comment ça se fait que tu vas fouiller dans ma sacoche, donc, toi? Ça fait-tu partie des fonctions du comité social, ça avait? C'est pas de même, c'est arrivé de sur l'eau. C'est une joke, voyons, une joke, man! Ben oui, regarde-moi rire. Ben oui, non, mais c'est pas ça. En allant me chercher un cure-dent, OK, en allant me chercher un cure-dent, j'ai vu que la porte du garde-robe des Waiters est un peu ouverte. Ouais? Puis j'ai vu sa sacoche mal clippée. Oh, puis ça te donne le droit de fouiller dedans, ça? Pas ça, mais un gars de service me suis dit, moi, il est clippé d'un cas que quelqu'un fouillerait dedans. Puis qui c'est qui a fouillé dedans? Ben oui, mais tu sais bien, en tassant les petites affaires pour être sûr qu'elle clippe bien, un gars se trouve à avoir des petites affaires. Des petites culottes. Ouais, des petites photos, de petits couples. Ah, la photo du petit couple, oui. Ça veut rien dire, ça, Serge. Je te l'ai dit tout à l'heure qu'on avait sorti ensemble et que là. Oui, mais je le sais. C'est pour ça que la photo du petit couple est encore dans la petite sacoche. Tout ton argent aussi. En passant, j'aime pas prendre ce qui m'appartient pas de ça, là. Tu m'as bien pris les fesses, je me rappelle pas de tes avoir passé. Ouais. C'était pas du pognage de fesses de sureau. C'était juste un petit check-up de quoi de normal, voyons. Oh! De quoi de normal, Marie? Écoute, je trouve ces petites culottes. C'est juste normal que je check, ça a pas décidé de se promener vite baissé. En souvenir du temps qu'elle travaillait en décapotable. Si je l'avais laissé faire, il me faisait un tune-up de printemps. Chose. Vraiment, cette calomnie m'offusque et me blesse. Oh. Je travaille plus. Non, c'est nerf pour un rien. Non, je m'énerve pour rien, je travaille plus. Marie? Non, allez finir votre réception, les gars. La décapotable, elle a son top. Hey, la réception, le gâteau, sœur. On est supposé arriver avec en chantant « Jean du pays ». C'est à ton tour. OK, moi, ouais, c'est prêt. Non, mais... c'est de valeur que t'as décidé que tu travaillais plus, hein? Ben de valeur. Non, mais je sais pas, moi, t'aurais pu sortir du gâteau de fête dans ton habit de naissance, tu sais bien. Yeah! Ben quoi? Hey, on n'est pas à Mascouche, puis c'est pas des polices, OK? Hey, t'es en veille de me dire que les danseuses servent la messe le dimanche matin, toi, là? Bon! OK, ça fait. Bring it to your nose. It smells like a rose. T'es gentil. T'es vraiment très gentil, je te remercie. Bon, enfin! Quoi, enfin? Ben, tu commences à voir mes qualités. Gentil, très gentil. C'est-tu drôle, la psychiatrie féminine, hein? Tu les voles les culottes, puis ça les améliore la vue. Il est drôle, hein? Drôle! Bien drôle! Une autre qualité, tu sortis avec moi, soir? Étouffe!
T'es accroché sur Yves, hein? T'es accroché sur José. Hey, qu'est-ce que tu sors là, toi? Rien! Je suis juste en train de découvrir comment est-ce qu'elle a pogné un rhume. Venez toi là. Hey! Le plus gros rhume des deux, c'est moi qui l'ai pogné, chose pas elle. T'as pas de cœur, non, toi? Faudrait peut-être que tu comprennes que je suis pas José, Serge. Comment ça? Règle pas avec moi les problèmes que t'as eu avec elle, OK? Hey, tu m'aimes pas, toi, hein? Non, 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 non. Depuis que t'es arrivé ici, que tu fais la fille qui m'ignore. Fais pas la prétendeuse que c'est pas vrai. C'est vrai. Coudon, je suis victime de désharcèlement sexuel, moi, ici. Hey, un gars de l'orgueil humain, chose, OK? Ça fait que fais ta petite fraîchière tant que tu voudras, là. Ben, attends pas à ce que je m'agenouille devant toi, OK? M'appelle pas Yves, moi. Embarque pas Yves là-dedans, OK? Aie pas peur, on y fera pas mal à ton petou. C'est pas mon petou! Il m'a tout compté, OK? Il t'a tout compté quoi? Tout! Là-dedans comme le doigt! Je te connais comme ta mère! Ça fait que viens pas me jouer ton acte de Maria Goretti, c'est! Cachane. Pardon? De Suro me l'a dit. Oh! Yves t'a dit que j'étais cochonne. Eh ben, c'est pas un critère, m'a bien dit que t'étais intelligent, toi! Hé, hé, hé! Minute! Les danseuses, faut être cochonne un peu, Calvert. Ouais! Les danseuses, hein? Non, mais je te comprends pas d'avoir lâché ça, moi, hey! 1200 par semaine à faire la cochonne! 1200 par semaine à faire la cochonne! Ouais. Eh bien, pour faire 1200 par semaine, ça m'a bien l'air qu'un cochon pour chaque cochonne, hein? Hey, wow, wow! Les barniques des gars ont commencé à suer après que les filles sont mises tout nues, OK? Chose pas le contraire. Mande à lui, il y a des barniques, ça. Les filles avaient peut-être pas le choix pour garder leur job, chose. Ah, oh, ben, minute-toi là, là. Minute. Tu viendras pas me dire qu'ils passent aux fouettes avant, OK? S'ils font ça, c'est parce qu'il y a de la pièce ou ben non, ils aiment prendre l'air, hey. Ou ben donc les deux? Right. Hé, hey, je comprends pas comment ça se fait que les waitresses font pas juste ça. C'est tellement facile. Mais ben, chose, c'est passé peut-être des cachons, ça va. Hé, hey. Y a une affaire que m'a dit ces danseuses du prof. Ouais. C'est peut-être pas toutes des saintes, mais c'est des smats, OK? C'est des cachons. Des smats. Ils savent qu'ils sont là pour empêcher que le gars de revirer fou. En étant l'exutoire des fantasmes menés de la répression de l'énergie sexuelle décastatrice actuellement réprimée dans notre société post-industrielle aliénante moderne. Eh oui! C'est ça! Ils ont une fonction sociale. C'est des cachards! Des snaps qui vivent grâce aux épates, comme toi! Anyway, anyway, être pogné avec le cerveau d'une femme, je pense me servirai de mon body, moi, ici. Oh non, ça! Hey! Non. Hey! Merci, merci! Ah, mais t'sais... Mais t'es macho, toi! Macho, moi, oui! Hey, t'es plus chauviniste que Régis Chartrand, toi! Oui! T'es arriéré! Wow! Coudon, les femmes ont pas le droit de vivre pour toi, ça m'a l'air? Ben oui, on a le droit de vivre, charrie pas! Mais bon, tard, ils pourraient pas vivre ailleurs que dans un bar.
Écoute donc, tu nous l'as dit tout à l'heure, ça t'écœure que l'État en plus fasse plus d'argent que toi. Change donc ton record de banque. Même comme cliente, fais juste checker dans ma section, là, qui c'est qui a commandé toutes les 7-Up, Coco de Vichy puis Ginger Ale qui va passer la soirée dessus? Il est femme. Ben oui, pis ça prouve. C'est rien, ça! En plus de pas savoir boire, ça a même pas typé! Les bonnes femmes auraient peut-être plus d'argent à te donner si t'es laissé travailler pour s'en gagner. Mais travaillez pas, on va vous en donner! Qu'est-ce que vous avez tout, donc? Vous étiez pas bien avant? Non, mais laissez-nous travailler. On va continuer à vous servir comme on l'a toujours fait. Oh! C'est le temps, là! C'est effrayant! Non, mais même une femme doit pouvoir comprendre ça, mais je crierai. Non, mais je veux qu'ils évoluent, moi, les femmes. Non, mais j'ai rien contre, ils en ont besoin. Mais qu'ils arrêtent juste de me singer, par exemple. Comment ça te singer? Comment ça me singer? D'après les féministes, là, t'es une femme le jour que tu peux tout faire comme un homme, avec les hommes, puis sans les hommes. Veux-tu m'en dire, moi, c'est quoi votre rêve, vous autres, les femmes? Être des hommes. Oui. Puis c'est pour ça que toi et puis d'autres, vous êtes venus voler ma job, OK, là? On n'est pas venus te voler ta job, chose. Hein? On est venu te montrer à la faire mieux que toi! Hein? Je veux bien rire, oui. La faire mieux que moi, c'est impossible. Ah! Il y en a qui réussissent. Ah ben, shit, qui ça? Ceux qui font 1200 par semaine. Ah oui, les cachanes comme toi. Les smats. Qui vivent grâce aux épargnes comme moi, ça tu veux dire? Hein? Okay. C'est ça. Parfait, OK, correct. OK, là. Avec Peace and Love, toi et deux. Hein? On lui sent le gâteau, on lui chante la chanson, on revient à la cuisine, on lui ramène le café, les petits sacs de sucre, les crémettes en plastique, il y a le digestif après pour se refaire un petit moton, OK? T'en as l'air d'un moton, toi. Non, mais on va récapituler, OK, là? Toi, là, t'es smart, OK? Puis moi, je te parle. Ah oui, c'est ça. Non, on est rendu là, OK? Ah, on s'entend. OK. On s'entend. Veux-tu m'entendre montrer d'autres épargnes, moi? Toi, tu vas nous montrer que t'es smart, OK? Prends-lui, ici. Lui, il était pas. Essaye pas ta passée au rayon X avec moi dans l'heure. Hey. Coudon. Toi avec. Coudon, de quoi c'est qui se passe, donc, là? Oui, là, va regarder la TV. Va regarder la TV. As-tu fini de rire, toi? Il me parle, lui, là. Non, mais va regarder la TV. Ta blonde va remplir sa fonction sociale pour les épargnes qu'on a. Ben là, ça commence à faire, là. Tu veux-tu que je le rapporte au boss, Marie? Apprends que le gars qui rapporte, c'est celui-là que le boss s'adore. Va donc rapporter à ta mère, puis laisse-moi avec ça, OK? Ah. Ben oui, mais Marie... Dis donc à ta mère qu'elle mette la télévision en passe-partout. C'est correct? Non, mais Marie... Non, mais tu m'excuses d'avoir traité d'épais, capitaine. Je suis avec toi, moi, là-dedans. Elle est smart. Ça fait qu'on va lui montrer qu'on est épais. Il faut nous montrer qu'elle est smart, on va nous montrer qu'elle est cochonne. Un plus un, ça fait trois gars, ben ça, boss. Gâche-tu, sors un 5 par monte sur la table. Tu gâches-tu, bonhomme? Non, mais c'est parce que ta femme est là que ça te barre. Non, c'est parfait qu'elle soit là, man. Ça va lui donner des idées. C'est un autre de les fonctions sociales, tu savais pas ça? Non, mais qu'est-ce que vous avez déjà une vidéo à la maison? Non, mais là, ça va être live. Elle le fait pour un 10. On split 5 chaque. Ouais. Hey, on pourrait presque penser qu'il est pas épais, mon non, fils. Mais c'est parce qu'elle te connaît pas qu'elle dit ça, là. Non, mais dis ton nom, elle, c'est Marie. Elle va te connaître, puis elle monte sur la table. Oh, ouais. Plus simple que ça, du pro. Elle va m'essayer pour un 20, mais elle va te la souligner pour un 15. Toi, 10, moi, 5. Les femmes, faites donc le mélange un peu, là. Ouais. Qu'est-ce qui serait plus simple que ça, t'as dit, non? Bon, moi, écoute, prends une femme qui le connaît déjà. Prends sa femme. Elle connaît son épée, elle marie avec. Pourquoi faire qu'elle s'en fout pas, dont elle? Mais t'es niaiseuse! Tu penses qu'elle sait que c'est pas un concours d'amateurs qu'on fait ici? On veut voir une pro! Tu fais... Hey, minute-toi, là! Hey, tu fais-tu faire un monologue à ton beau-frère quand t'as Yvon Deschamps devant toi? Ah oui, que c'est faire, t'as peur de faire ta smart, rien, là. Flèche flash nous, une bonne toune, linge d'un verre. Même pas besoin d'être cochonne. Sa femme est pas capable de te tenir, inquiète-toi pas, je suis là, moi. Ah ouais,
don't be gêné. Tu t'assoiras pour l'écouter, lui, après. Bon. OK. 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 S'il y a rien là... Bon, elle a fini par l'admettre, les femmes, t'ont ses affaires. Tu touches pas à ça. Non, mais... Vas-y, toi. Monte sur la table, hein. Il y a rien là. Cachane? Qu'est-ce que t'attends à me défendre, non, toi? Tes bras sont bien plus gros que les miens. Ah, mais ils me volent ma job puis ils t'exploitent, ces filles-là, man. 1200 par semaine. On fait même pas ça, tous les deux, ensemble. Regardez, lui. Regarde le résultat de la fonction sociale de l'autre, oui. Hey, du spaghetti trop cuite, ça a plus de corps que ça. Non, mais regarde-la, elle. Hey, ça rebondit là-dessus, tabarnou. Non, mais regarde-la. Non, mais regarde-la. Regarde, c'est pas fier de sa chatte. C'est des gars comme toi pis moi qui la font vivre, man. 1200 par semaine. Bon, ben, OK, Serge, là. Arrête d'engueuler le monde, là. Elle dansera pas, là. OK, là? Hey, bon, ferme ta bouche, lui est aux hommes. Oh, là, je suis en colère. Non, non, c'est une joke. Arrive, ici. Non, non, arrête de niaiser. Non, c'est une joke, hein. Oh, je suis mon âme. Ça y est, c'est pas ça, ouais. Viens, c'est pas les gars. Viens, c'est pas les gars. Non, non, hey. Le gars. Oh, je suis mon âme. Hey, enfin, j'ai lié quelqu'un. Enfin, j'ai lié, c'est moi qui paye mon nettoyage. C'est lui qui m'enferme, là, il a rechoué, là. Non, hey, viens, c'est pas. Yves, viens, c'est pas avec le gâteau. Moi, je suis mon âme. Tu vas voir, hein. Où est-ce qu'il est, là? Où est-ce qu'il est, le gâteau, hein? N'est-ce pas? Où est-ce qu'il est, mon petit bonhomme? En réception! Ouais, vous... Hey! Vous risquez quoi, vous autres? C'est à moi, le bullseye, c'est... Hey, Nicole! Nicole, donne-moi deux biens. Toi, hey, bouge pas là-dedans, toi. Non, hey! Chère de sureau, c'est à ton dos. De sureau, de sureau, de sureau. De sureau, de sureau, de sureau, de sureau. Moi, tu connais mon slogan? Never fight around deux billets. Ah ouais, ouais. Ça n'a pas été correct de vouloir la faire danser. Je te dirai plus rien, toi. Ben oui, non, si tu veux, c'est ça que ça me fait, moi, Rayon. Je suis pas tout seul, demande à lui. Ouais, ben. T'es plein de chum, m'a dit rien que ça. Non, parle pas trop vite. Parle pas trop vite. Tu vas vite réaliser que les waiters, ça n'a pas le choix. Faut que ça se tienne face à l'adversaire. Quel adversaire? Ça! Ah, OK. Recommence pas, hein? À minute, minute. Qu'est-ce que tu vas faire tout à l'heure, mais t'en as un qui en a déjà plein son casque, comme le gars là-bas, là. Hein? Puis il t'en recommande un autre. Tu sais que moralement, là, moralement, t'es pas supposé d'y en ramener un autre. Ben, j'y en redonnerai pas, c'est tout. Ouais? S'il t'engueule comme du poisson pourri parce que tu veux pas y en ramener un autre, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, moi, le laisser y aller. Ouais? S'il veut se battre avec toi? Ben, tu t'en occupes pas. Hein? T'en occupes pas? T'sais, l'espèce de mad dog, tu sais, ça se comprend, je veux te la battre. Ben, je le sais-tu, moi, je verrais bien mais que ça arrive. Ben, il va être trop tard, mais que ça arrive. Faut que tu te figures tout de suite. Ben, je le sais-tu, moi? M'a t'appelé? Ah! Quoi? C'est pas correct? C'est excellent. C'est excellent. Tu viens de réaliser ce que je te disais tout à l'heure. Faut se tenir entre nous autres. Combien de monde j'ai sauvé quasiment de la mort ou de l'infirmité, moi, en 10 ans? T'as empêché bien des batailles, ouais? Eh, sac! Je les compte plus. Combien? 3, 4? Je les compte plus! Des batailles, là, ben, tu m'as vu que je suis un gars? Hey, des bouteilles, c'est mûr, man. Les chaises dans les airs! Avec les clients encore assis dessus! Tu prends pas de chance de te faire blesser, tu fasses le premier! Ouais, pis si le gars t'actionne? Ben, tu dis que l'ambulance a manqué de break en l'amenant à l'hôpital, il se rappelle de rien! Ouais. Ouais. Non, mais c'est vrai, prends comme Marie, là. Hein? En fait, ça se mate, là. Elle est en maudit contre toi, pis moi, mais. Wesh la ben, elle. Moi, je l'ai bien un coup poigné avec un collu qui veut lui faire une passe. Hein? Ça peut savoir qu'il manque des mains, petite fille. Elle connaît pas ça encore. Hein? Mais watch bien, OK? Hein? Watch. Là, c'est à l'heure de faire, là. Non, non. Ah, vous finissez, c'est sérieux, là, OK? Alors, watch ce que je te dis, OK? Elle n'a pas peur de ça, elle. OK? Mais moi, je viens que ce que je te dis.
Eux autres, là, tout nus, ils ont de la protection. Mais habillés et sans défense. Ben voyons, elle connaît ça. Je pourrais t'en compter. Elle connaît ça. Tu fais là, toi. Fais ce que je voulais avec. T'as l'air une chance que je m'avais me retenir. Ouais, ben, elle va pas te dire ça. Ouais, pourquoi faire? Ben, elle va te faire ce que c'est que je l'ai vu faire un soir, là, un gars qui a essayé de ôter son rouleau de ville. Ouais? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tenu la main comme faux, là. Ouais. Puis elle a remanché un coup de pied dans la poche. Ouais, mais t'as des gars qui ont la poche forte, ça lui fait pas mal longtemps. Ouais, ben lui, en tout cas, il avait la poche faible. Elle avait ses petits talons hauts, puis toing! Oh. Oh. Ouais, c'est affaiblissant pour les joints universels, ça. Ouais, mais minute. Alors, remarque que... Elle se trouvait avoir l'effet de surprise sur son bord à elle. Le gars l'avait pas averti non plus quand il a essayé d'ôter son argent, hein? Mais oui, mais... Mets-toi un peu à sa place, au gars. Tain, moi-même, là, je vois arriver une attaque de Hells Angel. Je sais quoi faire. J'ai un arsenal humain, personnellement. Mais un Hells Angels avec des boules... moi, je gèle, même. Hey, il est encore ses boules, lui. Coudon du pro, t'as jamais pensé à te partir un bowling? As-tu fini, toi? Waiter, là, c'est un destin, tout ça, là, OK? Ouais. Un jour, j'ai entendu des voix. Oh, des voix? Oui. L'appel du tequila sunrise au fond de ma conscience. Ah, bon? Puis là, c'est vrai, je m'en souviens comme c'était hier. Là, j'ai vu une table qui me dit, viens. Essuie-moi! Essuie-moi! OK, Jeanne d'Arc, quand est-ce qu'on te fait ton feu? Hey, un peu de respect pour celui qui a été appelé, quand même. Ouais, ben, pour un gars qui a été appelé, le tequila sunrise n'a pas l'air d'appeler fort fort de ce temps-là, hein? Ben, c'est pas voulu de ma part, la soirée, je fais rien. Bon. Puis toi? Moi? Hum? Je l'aide. Coudon, tu voulais pas être waiter, donc, toi? Ben oui, mais... Mais c'est une maudite job pareil, waiter, admets-le. Ça paye pas, puis c'est rendu qu'il faut déclarer que ça paye. Non, mais c'est vrai, quand je pense que les taxes sur mes types, ils servent à payer des annonces qui disent au monde que la modération a bien meilleur goût. Non, c'est vrai. Merci. Ça, c'est une raison de plus pour te grouiller, Yves. Oh. Non, c'est correct. Assieds-toi. Moi, il y a la réception. On va aller m'occuper de changer la suce des têteux pour le prochain quelques minutes. C'est correct. Sur mon bras, ça te coûte rien. Anyway, ils vont commander du café. Ils gagnent des têteux. Des têteux. Yves! Écoute donc. Hein, veux-tu bien me dire ce qui t'arrive? On avait dit niaiseux, mais là, t'es rendu pas mal nono, je trouve. Puis toi, hein? Puis toi, il y a une vraie danseuse. As-tu vu l'allure, fils? Ben oui, mais écoute, hein? On s'en était parlé, hein? On s'en était parlé, tu sais. Ah oui. Moi, je suis tanné de me faire gruger par ce maudit requin-là, tu sais. Un gars pose des guisants nono, mais à un moment donné, il vient tanné de prendre les coups, ah, OK? Ah oui, okay? Toi, t'es peut-être tanné de prendre les coups. Mais moi, je suis tanné de me faire prendre les fesses depuis 2 semaines, par exemple. Moi aussi, sacrément. Hein? Qu'est-ce que tu dis là? Ah, laisse faire le sujet. Okay. Voyons, Yves. On avait dit qu'on jouait le jeu, hein? Pour avoir la job et pour la garder. Ben, c'est ça qu'on fait. Ah oui, jouer le jeu. Ah ben oui. On le joue en maudit du jeu. Ben oui, tout le monde fait ça dans la vie, tu sais. Jouer, tu sais. À un moment donné, tu sais, un gars vient tanner d'être trop pardant, OK? Je te veuille de l'expédier par la malle, moi, avec un timbre d'en face, là, OK? Ah oui, puis c'est moi qui vais recevoir la lettre, je suppose.
toute pique. C'est vrai pareil, Marie, qu'est-ce qu'il dit? Écoute, Yves, faut pas que tu te fies à ce qu'il dit à soir. Tu sais, il y a des affaires qu'il n'a pas pris depuis un bout de temps, puis c'est à soir que ça sort, c'est tout. Même avec ça, il a raison. La paye, la sécurité, t'en as pas dans ce job-là. Mais oui, mais c'est partout, ça, Yves. C'est pas aussi pire. OK, OK, t'es, tiens, ben, un boss t'arrive dans 3 minutes, là, puis il dit que t'as fini. Tu sais que t'as fini, hein? moi, je l'ose. Fini, on est là. Mais voyons, oui, tu peux pas faire ça, on s'en est parlé. Ouais, ça ressemble pas pantoute à ce que c'est que je voyais, hein. Je sais pas quand, là, mais ils m'ont trouvé de quoi. Je lâche l'hôtellerie, la ligne au complet. On va travailler aux heures du Framont, pas ailleurs que dans le boucan. OK, Marie? OK? Là, je suis tanné. Ben oui. Mais tu vas faire quoi? Sais-tu, moi, il m'a fait quoi? Sais-tu, toi? Mon cousin aurait peut-être de quoi pour moi, il est Saint-Roch, tu sais. Si tu vas faire, c'est un camion. Ben, j'aurai du temps varié congelé, lui, tu sais. Hey, c'est ça, il a l'air bien, tu sais. Voyons. Yves, tu viens de commencer, Yves, hein? Il fallait que tu t'attendes à ce qu'il y ait un petit peu de sacrifice à faire au début, non? Les sacrifices, ouais, tu sais. Oui. Des sacrifices, je connais. Même quand j'étais petit, tu sais, j'ai jamais pu descendre en bas de 5 fudges dans le café. Puis moi, hein, qu'est-ce que je fais? Je m'enterre puis je m'envoie des fleurs, peut-être? Qu'est-ce que tu veux dire? Qui c'est qui m'entraîne là-dedans, moi? D'une manière, c'est moi. Il n'y a personne qui t'a tordu un bras par là. Ah, non, okay? Non, c'est ça. Mais non, tu regardes ta sécurité. Tu repenses à ta sécurité. Tu regardes juste ta petite personne. Okay. Et m'as-tu regardé, moi? OK. Je le sais que t'en as pas plus sur moi. Ça! Okay? C'est pas ça. Regarde-moi. Regarde la longueur de jambe que je suis obligée de me mettre pour travailler ici. J'aurais l'air moins guédaille que ça tout nu. En tout cas, c'est probablement de quoi que vous êtes pas capable de comprendre, vous autres, les gars? Ben, tu sais qu'avec nos yeux rayon X, ça... Non. Recommence pas ce paysage-là, hein? En tout cas, moi, je l'ai accepté, ce job-là. Fait que je reste pas assis là à supporter les dames du monde avec qui je travaille. T'as raison, Marie. T'as raison. T'as compris, là? On lâche. Yves, écoute-moi, là. Qui c'est qui voulait être waiter parce qu'il était tanné d'être boss boy, hein, c'est qui? Ben oui, mais boss boy, il s'était pas payé. Ouais? Et qui c'est qui voulait qu'on travaille sur le même plancher, toi et moi? Figure-toi pas que ton ancien job t'attend à chose, hein? Tu sais que ton boss Armand, il s'en est trouvé un dans 2 mois quand il suivit ton départ, hein? Ça, tu sais que la relève des boss boys, c'est pas de la bleue. Elle est pas rare, elle. Pas d'ouvrage, ça tête. C'est parce que tu veux pas avoir l'ouvrage. Il y en a. T'as soif! Soif! Le Sahara! Avec juste des biscuits soda! Soif! Soif! Ça n'a pas plus soif qu'un Renault 5, là, marre! Et sacrifice! C'est qu'il y a... T'as bien drôle d'air! T'as-tu fumé de la bourrure de buggy? C'est qui, là? Hey, t'as l'air d'un gars qui veut se suicider en shootant aux Smarties. Garde pas les rouges pour la fin, tu vas être mort avant. C'est qui, là? T'es bien down? Ouais, non, c'est la job. Ça me tente plus. Voyons donc, qu'est-ce que tu fais là, toi? Oh, t'avais raison, c'était une maudite job. Ben, voyons donc. Hey, minute, toi, là. Hey, qu'est-ce que tu fais là, toi, là? Moi, j'ai pogné un petit down de même à soir, là. Toi, t'as pas d'affaire à tout vouloir sacrer ça, là, voyons! Hé! Fais-moi pas peur de même, m'a commencé à penser que Marie avait raison. Hey, wow! Prends-moi pas pour un modèle de sureau. Ah, j'étais un cave, moi. Ben, un cave d'une catégorie supérieure. Un sous-sol fini. Mais je t'incave pareil. Non,
Mais non, c'est pas toi, c'est la job, ça vaut pas la peine. Ben voyons donc, t'es waiter! Waiter, c'est la plus belle job au monde! Bon, le coach qui rembarque. Chiale pas contre le coach, il y en a qui sont poignés avec Michel Bergeron. Mais là, j'ai pas de chance, mais je vais vous la repayer en double tout à l'heure. Hein? Non, mais... Chase. Viens ici, on va aller au bar là-bas. Viens ici. C'est sûr, man. Viens ici. C'est sûr, man. T'as des tattoos, des astineux, des cheese. La journée Wolka, une est 44. La petite, la grosse épicerie, les super classelles. Ben oui, mais... Les frappes là, pis pire. So what? So what? Assis-toi. Mais ça reste une belle job pareil. Tu travailles quoi? Trois soirs de 8 à 3. Tu fais quoi? 20 heures, des fois 28-30 dans le temps des fêtes. C'est pas beau, ça? Ben oui, j'ai vu mieux, moi. Bon, OK, t'as les enseignants qui se comparent, bon. Ouais, puis au moins, un jour, ils se font une paye, tabarnane. Ah oui, mais... Paye, tu t'en fais une twisty, une paye, ouais, non? Ouais. 6-7 piastres. Non. 38 piastres. Ah oui, la réception. Ouais. Ben, c'est mieux qu'une plaque d'en face. 38 piastres, ça fait à peu près 5 $, ça. Essaye de faire charrier du temps varié congelé pour ce prix-là, toi. Hein? Les gars gagnent 13 écarts. Ah ouais, mais ils travaillent-tu encore, ce monde-là, tu penses? Non, mais... T'as les bénéfices marginaux, man. Les bénéfices marginaux. Quels bénéfices marginaux? Les clients te font suer, là. Mais quand t'as ton voyage, tu décides que c'est ton tour, là. Hein? Qu'est-ce que c'est? Tu trompes un peu en donnant le change au client. Le gars te donne un 20, tu lui dis que c'est un 10. Ouais, mais le gars t'estine, là, pis il t'a l'air d'un beau cadre. Ben non, tu lui dis, ben non! Tu lui dis, excusez-moi de m'excuser, capitaine, mais garde ton 10. J'ai su de mon bundle, tu le vois comme moi, c'est un 10. Ben oui, mais son 20. Il est dans ta poche de chemise. C'est juste que t'as deux bundles, pis ça, il te figure pas tout. C'est au bout. Le gars qui t'a payé pis s'en rappelle plus, là, tu le reconnais? Ça, il faut qu'il soit chaud, par exemple. Ben oui, on doit juste distrait parce qu'il jase gros pour impressionner sa blonde, comme le jacket Paul à la deuxième table, là-bas. Là. Ouais. Elle dit, les grosses commandes, c'est encore mieux, sont toujours deux assassinés. M'a payé. Écoute-les pas, mais ça te dépasse. Tu dirais que ça fasse, t'es collègue, toi et deux. Ouais, c'est pas vrai. Ouais. Tu trouves pas ta main un peu, là, toi, là? Le gars qui commence à avoir un casse de bain, là-bas, là, tu sais. Si, mon homme, t'as du front, pis c'est vrai, toi. Ah, lui, ici, y en a, hein. Ouais. Non, mais. T'as dit, les grosses commandes, c'est vraiment le jackpot. T'as calculé, moi, ça vite, là. 4 billets, 2 000, c'est fort, ben Vichy flotteur. Ça fait combien, ça? 19, 3 quarts? 20? 21 juste? 22,5? 23 et 25, peut-être? On le sait pas! Ouais, mais. Si te demande une copie de la slip du cash. Bon, tu y réponds qu'on n'en donne pas ici. Oh, oui, il a le droit de l'exiger, par exemple, hein? Parfait. T'en veux-tu une? Quel montant? Qu'est-ce que tu veux dire? Pas de problème, je les ai toutes, OK? 19 et quart, 2 et 15, gain d'habillé, n'importe quoi. Tu sais, t'as pas l'air plus impressionné qu'il faut. Y a rien, là. C'est les mêmes pauses qu'on fait au Walter, nous autres, les boss boys, quand on vous sert. Non, écoute, fatigue-toi pas trop, il va falloir aller desservir tout à l'heure, hein? Desservir tout à l'heure? Ah, y a rien, là, Marie? Je le sais, c'est pas la partie la plus payante, mais c'est partout, ça. Ah, hein? C'est pas grave, Marie, ça va beaucoup mieux, là. Oh oui, hey, beaucoup mieux, hein? Ah, merci, oui? Serge! De rien, c'est le comité social! Ah, bon? Hey, tu pourrais me remercier? Puis te donner un tip, je suppose? Tu sais qu'à côté de toi, qu'on Jack, il n'y a pas de front, du bras? Hey, il y en a qui oublient vite les ceux qui ont recrinqué deux chums. Ça va à peine, la charité chrétienne. Ça va à peine en sacrifice. Hey, attends, viens ici. Si tu veux, j'ai pas une affaire, m'asseoir puis jaser. Ah, mais c'est on se parle honnête, toi et deux, là. Oh, t'es capable de faire ça, toi? Capable de faire bien des affaires, moi. Non, mais sérieux, là. 1200 par semaine, c'est-tu vrai?
1200 par semaine, quoi, qui est-tu vrai? Dors plus. Tu verras que ça fait 1200 par semaine. Ah, c'est ça qu'ils disent dans les petites annonces, en tout cas? Non, laisse faire les petites annonces, là! Toi, là, t'as-tu déjà fait 1200 par semaine pour le vrai? Écoute donc, Dupras, si tu veux faire de l'argent, soit, tu pourrais peut-être commencer par aller leur servir le digestif à la réception, hein? Oui, mais attends, ça se demande! Je veux pas savoir si tu passais cet argent-là sur des bijoux, des voyages, un cours d'avocat, une sironde, un congélateur. Non. Je veux juste avoir une idée du salaire. 1200 par semaine? J'ai jamais fait ça, moi. Ben oui, mais tu faisais combien, toi? 1000 d'abord? Jamais. Tu devais faire au moins 750, t'es-tu vu le body? Je gagnais rien avant de travailler ici, du pro. T'es ta cochonne, c'est vrai? J'étudiais à l'Université du Québec en psychologie. Va donc chier! Tu vas appeler digestif, là? Hey, t'es encore plus raccoon qu'un raccoon, toi et mon raccoon? T'aurais quasiment pu faire les vendeurs de l'ADA? Comment ça? T'as pas plus été boss boy que j'ai été fais du trou pour le piment dans les olives, OK? Hey, j'ai été boss boy 2 ans. Ouais? Mais passe-moi un autre, celle-là marche plus. Ben, envoie-moi tout seul, boss boy, au bar, là, avec 4 waiters sur le plancher, m'a vous fournir que tu vas venir essouffler rien qu'à me regarder. Ouais? Ben, il y a quelqu'un ici qui remplit quelqu'un avec de quoi qu'on prend pour remplir quelqu'un quand on veut le remplir. Hey, j'en ai plein les bras, moi, ici. Donne-lui un cours de psychologie, là, qui se passe à l'Université du Québec un peu. Ça va changer quoi, ça? Ben, tu vas avoir la paix, ils vont se sacrer en grève. Oh. C'est moi qui vais aller charrier du thon à varier congelé si ça continue. Ouais, moi aussi. Une minute, l'élastique, viens ici, toi, là. Viens ici. Là, l'histoire, c'est quoi, là? As-tu fait de la psychologie tout nu, ta blonde, ou ballon, what? Hey, tabarnane, avant d'accuser les autres de menteurs, là, tu sauras que j'ai dit que c'était mon ex-blonde, OK? Là, oublie le cœur, puis branche-toi pour la job. C'est-tu la tête, ballon, les fesses? Hein? OK, moi, te le dis. Elle est gênée de dire qu'elle était danseuse. OK. Ça fait qu'elle dit qu'elle était à l'université en psychologie, là, ça. Bon! Tu vois qu'on fait le bain après, là, t'as bien qu'à arrêter de faire des mystères avec ça puis le dire avant. Ah, oh, ben. Qu'est-ce qu'il y a qui marche pas, Marie, là? Oh, puis tu me demandes qu'est-ce qu'il y a qui marche pas. Oui, mais tabarnane, je le sais-tu, moi, qu'est-ce que t'as? Moi, mais moi, te le dire, moi, ce que j'ai. Il y a que j'ai tout entendu ce que tu viens de dire, mon petit gars. Il est trop large pour te le dire, mais moi, te le dire, moi. J'ai jamais été danseuse de ma maudite vie. Je suis même pas capable de m'aligner les pieds dans une cha-cha. Là, vous allez vous faire un petit congrès à deux, là. Puis vous viendrez, moi, me donner le résultat du vote. Là, moi, j'ai mon troc, là. C'est la vérité, c'est des mensonges. Mais t'as le dire à toi ici, là, stick, OK? OK, c'est correct. C'est elle qui dit la vérité. Elle est en psychologie. Elle était en psychologie avant d'être waitress, c'est. Bon. Qu'est-ce que c'est vrai qu'elle disait pas avant? Mais moi, j'étais à Boss Boy, hein? Ah oui? D'un club de tapettes. T'es pas tapette, va donc chier! Je le sais, c'est pour ça que mon sacré est dehors. Ça fait que t'es son chum d'abord! Hein? Hein? Oui. Bon. Si l'eau est si claire, là,
Qu'est-ce que ça fait? Tu m'as envoyé nager dans le grévé tout à l'heure, là-bas! Écoute, Serge. Le couple, là. Faut pas que t'en parles, OK? Ah non, tu me connais. Ça va rester avec moi. Hey, Nicole! Quand est-ce qu'on fête le 25e à ces deux-là? Non, mais je vois pas de problème, même si t'es tapette, ça va se tasser, elle est cachante. On est charriés du temps varié quand je l'ai. Non, c'est correct. Non, non, attendez une minute, là. Attendez une minute. Hey, partez pas de même, là. Hey, c'est pas trop comme à soir, moi, là. J'ai pogné un... Là, j'étais en dessous de la... Non, non, c'est pas trop le même, moi, là. Partez pas là-dessus, là. Pas... Et je pas, en tout cas. C'est qu'il y a, Serge, ça file pas? C'est à peu près ça. On comprend ça. Merci. On comprend ça. Merci des bains. Non, c'est juste que. Les affaires à régler, là. Pas tout à régler ça, moi, d'un coup sec, moi, d'accord. Ben oui. Y a-tu un kilo dans la salle, ça? Bon, ben. C'est pas parce qu'on collecte du bien-être social sur la slide qu'on va virer fonctionnaire, hein? Enough the thing, let's go working. Non, mais tu vois, tu sens moins triste, toi, Marie. Ça va avec les boules, ça, je suppose. Non, non, je suis sérieux, là. Oui, oui, je le sais, je m'en suis rendu compte, à soir. Hey, c'est-tu fort pareil? Hein? On pense exactement identique, toi puis moi. Tu sors-tu avec moi, à soir? M'a dire de quoi, Serge? C'est vrai qu'on pense pareil, toi puis moi. Oui, on a le même thinking mental. Ah oui. Ah oui, la même vision des choses, les mêmes idées, les mêmes goûts. Plus que ça, Serge, on est rendu avec le même slogan. Never fuck around the payroll. Tu comprends-tu l'anglais, le gros, hein? Non, non, inquiète-toi pas pour elle. Si elle est comme moi, j'ai jamais respecté un de mes slogans. Bon, ben, on lui donne un petit coup, là. Parce que toi, Yves, t'as peut-être 38 piastres de fête, puis toi, Marie, 51, mais moi, j'ai juste 6-7. Tu sais que splité égal à 3, ça fait juste 32, 33 chaque, ça, là. Hey, elle pique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, l'histoire de splité égal à 3? Ben voyons, t'es au courant de la nouvelle politique, le partage égal des types entre les trois waiters? Moi? C'est qui a décidé ça? C'est toi, je suppose? C'est le comité social.